J'ai mis du temps à faire des canettes croquis. Je voulais que le dessin soit parfait, pas une rature, une bonne composition. Et dès que ça partait de travers, j'arrêtais les croquis. Je voulais que le carnet soit comme un livre. Je pensais livre et pas expérimentation. J'ai appris à accepter les erreurs. Le travail se déroule par cycle. Je vais faire 100 fois le même personnage, le même décor. Parfois, je dessine mes enfants. Souvent, devant des écrans, ils bougent moins. J'ai le temps de les dessiner. Le carnet croquis me permet de raconter des petites histoires sans la pression de les savoir dans un livre ensuite. J'essaye beaucoup de choses, des nouvelles techniques, des nouveaux outils. Cela fait 15 ans que je travaille pour l'édition. J'ai fait des documentaires, des illustrations pour la presse et maintenant des albums jeunesse. J'ai besoin de me renouveler, de ressourcer mon dessin. Cela passe par beaucoup de choses, des expos, des découvertes en librairie, des découvertes aussi de nouveaux illustrateurs. Mais c'est surtout grâce au carnet. Le dernier album, La route du lait grenadine, est né des carnets de croquis. J'ai dessiné énormément de machines, d'insectes. Alex m'a proposé de faire un album à partir de ses dessins. C'est mon premier livre qui est né de ses carnets et j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, contrairement aux apparences, ce n'est pas ici que je travaille. Ici, je fais plutôt semblant. Disons que c'est l'endroit où je rassemble tout mon bazar. La vérité, c'est que je peux écrire un peu partout. Si j'ai un cahier et un crayon, c'est bon. S'il fait beau, je vais dehors. Les histoires ont besoin de prendre l'air, et moi aussi. Quand je commence une histoire, je ne sais absolument pas ce qu'elle va raconter, et je n'ai pas envie de savoir. Au départ, il y a quoi? Une envie? Une image? Une idée floue. Pour notre premier album Ensemble avec Charles, je me souviens qu'il y avait juste un titre. Le roi qui n'a rien. Je trouvais que ça sonnait bien. Et puis j'aime bien, en général, l'idée de faire le contraire de ce qui est attendu. Un roi a tout, eh bien le nôtre n'aura rien. Ça devient donc une histoire sur ce que c'est que d'avoir ou de ne pas avoir. Et plus tard, on a eu envie de s'intéresser sur ce que c'est que d'être ou de ne pas être. C'est devenu le chat qui est chien. Même personnage, un roi et un chat, même principe, même construction du récit, jusqu'aux premières phrases. C'est l'histoire du roi qui n'a rien dans le pays de tout à l'envers. C'est l'histoire du chat qui est chien dans le pays
de tout reste à sa place. Avec Charles, je crois qu'on est joueur. À partir d'une image ou d'un mot, on aime bien jouer. Et on peut le faire avec sérieux, comme les enfants. Faire vivre un petit monde à partir de trois fois rien. Parfois, ça démarre sur du sérieux. Les frères moustaches, la question de la censure et de la liberté d'expression. Ou encore l'oiseau blanc, librement inspiré de la rencontre entre un aviateur et un indien. Parfois, c'est beaucoup plus léger. La série des Louisons Mignon, par exemple. La vie d'une fille de 6 ans et demi dans la ferme de ses grands-parents. Mais pour nos deux derniers albums, c'est presque devenu la question. À quoi on joue? Dans la Brigade du silence, on joue avec des petits bonhommes qui vivent dans une chaussure et qui n'aiment pas le bruit. Et dans la Route du lait grenadine, on invente de nouvelles règles du jeu, les images d'abord, le texte après. Avec juste l'idée d'un point de départ, une course avec plein de personnages sur de drôles de machines. Bon, pour la suite, on a déjà plusieurs projets. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on se voit avec Charles, les idées fusent. Mais honnêtement, je n'ai pas grand mérite. Ouvrez ces carnets, regardez ces croquis. Sur chaque page, il y a au moins une idée pour une nouvelle histoire. Alors, à quoi on joue? D'accord, mais je pose la question. Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on dort?